Today, my girlfriend paints a miniature for the first time. Il y a les bases, les layers, les shades, je sais pas à quoi ça sert. Ouah, il y en a encore un autre. Non, c'est pas possible. Il faut commencer par la rendre noire avec l'aérographe. Black Prime, ah ça doit être ça. Je mets la peinture dedans. Dans l'aéro, comme ça. Je sais pas. Vas-y, fais. Il faut mettre de l'eau, je sais. Faut essayer de mettre déjà la peinture. Faut savoir que j'ai nettoyé l'aérographe hier. Je vais devoir la nettoyer ce soir. Je crois que j'ai mis 4 ou 5 gouttes de primer. On va bien diluer quand même. Action. Waouh, ça a l'air trop liquide. Tada! On va déjà sortir la wet palette. Tu mets pas la peinture à même ça. Faut mettre une feuille dessus. J'imagine. Ah si, c'est comme du papier sulfurisé ou du papier cuisson. Donc on va mettre ça dessus. Je ne sais pas encore quelle couleur je vais le faire. On va prendre du doré pour l'armure et les bijoux. On va prendre du bleu pour le drapé. Donc j'ai pris 2 teintes de bleu pour pouvoir faire des petites ombres. Mais je ne sais pas si ça va marcher. Et le jaune, je ne sais pas exactement encore où je vais le mettre. Mais ça sera pour illuminer le teint de cette figurine. Pas son visage, mais... la figurine. Je pense qu'il serait malin de commencer par les couleurs plus foncées plutôt que les plus claires, puisque une fois qu'on met du foncé sur du clair, ben, faut recommencer, c'est un peu plus difficile à rattraper. Bah, c'est aussi foncé que ça, non? Ah, c'est moins couvrant. Bon, on va essayer de mettre ça sur la cape. Comment est-ce que tu nettoies les pinceaux? On trempe dans l'eau et ensuite on affine comme ça. Pas qu'il en reste. Non. J'ai enlevé un pinceau parce que sa durée de vie a été diminuée. Et il était tout neuf. Quelles sont tes premières impressions là quand tu peins, sachant que c'est ta première figurine? C'est long. Je me demandais ce que c'était que ça. Et c'est la ceinture de... ça fait partie du... la jupe, mais est-ce que c'est un élément, genre une ceinture accessoirisée, ou est-ce que c'est à peindre comme la jupe? Et pourquoi est-ce que t'as choisi ce pinceau-là? Parce que il y avait une grande surface de tissu, et il n'y a pas forcément besoin d'être aussi précis que pour les petites chaînes de la... du bijou. Pas patiente, j'ai pris un plus gros. Il est pointu, donc ça me permet d'aller dans les petits angles. Les reflets sur la jupe. Tu vas les faire de quelle couleur? Comme ça et un peu comme ça. Ok. Elle est partie sur du rétributeur armant de chez Game Workshop et du or de chez Prince Auguste. Sur les épaules. Waouh! Merry Christmas! This is a bit frustrating for me because I can't say anything, I can't give tips to her, I can't give any advice. And sometimes it's hurting myself. Oh my god. She's doing a lot of things right, but when she's doing mistakes, like
It's big mistakes. I mean, she's a beginner and she has never done anything like this before. And I'm sure I did this when I started as well. If you have a friend or someone in your family that has never painted, let them paint without saying anything and you will see what happens. You will have a great moment. It's a great experiment. Anyway, let's see what she's doing right now. C'est très brillant, le doré. Donc la Christmas crown, c'est bien, mais il faut pas qu'il y en ait trop. Niveau là, c'est des gants. Peut-être faire comme si c'était des gants en cuir. She wants to make leather gloves, which is a great idea. Starting with rhinox hide and chocolate brown from Valeo. I'm quite impressed because her paint job is really neat so far, so I hope it's going to continue like this. I'm just not too sure about the color choices because it's really, really dark, but maybe it's going to work after some time. On va faire son arme, donc propose de voir ce que donne ce gris là et peut-être après rajouter un petit peu de ça sur la partie qui est forgée. T'en as marre? Oui. She starts being a bit bored from painting. So I think we're just going to let her finish the miniature and have a look when it's completely done. She has just completed her first miniature ever and we're going to have a look at it right now. This video, don't forget to like it and to subscribe if you are not. See you next week. Tu dis over? Over! Est-ce que tu referais? Peut-être pas tout de suite. Qu'est-ce que t'as le plus apprécié? Vraiment le fait d'être concentré sur une chose et du coup de pas avoir de pensées stressantes ou ça détend. Tu veux dire quoi? Je sais pas. Tu veux que je dise d'ajouter du doré partout comme j'ai pu le faire sur la figurine pour la rendre encore plus festive?